Tous et bienvenue dans ce tirage au sort donc de ce tournoi solo trio qui donc arrivera sur la chaîne au courant du mois de septembre. Voilà, hein, comme promis d'ici fin août, je vous rappelle que pour les participants au jeu des tinka points que j'ai présenté sur la chaîne, vous allez pouvoir me donner votre quatuor de tête à partir de cette vidéo là. Donc voilà, n'hésitez pas à m'en faire part comme prévu sur la vidéo spécifique sur les tinka points et me dire qui vous pensez après le tirage au sort. Donc on va faire aujourd'hui le tirage au sort solo et le tirage au sort des équipes trio et du tournoi trio si on a le temps. En tout cas, on va au moins faire celui du solo et les équipes du trio. Après, on verra si on fera dans une deuxième vidéo le tournoi, le tirage du tournoi trio. Mais voilà. Donc, toujours en compagnie de Martin, bien sûr. Hein. Hello! Donc voilà, et bah écoutez, je pense que du coup, qu'est-ce qu'on a fait? Alors on a pris un site de tirage au sort basique, hein, pour le faire vraiment avec vous. Alors, on a mis la liste des 32 seigneurs, tout d'abord pour le tournoi solo, donc qui, je vous rappelle, vont s'affronter, alors ça c'est le stream de Martin, qui vont s'affronter donc dans ce petit tournoi-là. Donc les 32 participants, on les retrouve ici sur la gauche. Je vais un petit peu zoomer pour que vous puissiez voir la liste que Martin a mis. On n'a pas trouvé des sites de tirage au sort qui soient exceptionnels, donc en fait on va être obligé à chaque tirage d'un nom de le supprimer dans notre site directement, le site du tirage au sort. Donc Martin s'occupera du tirage au sort du tournoi solo, et moi je m'occuperai du tirage au sort du tournoi trio. Donc là on va se mettre sur le stream de Martin pour la vidéo YouTube, hein, tout simplement. Voilà Martin qui nous fait fi de son petit fond d'écran. Voilà. Allez, allez Martin, avec son balrog. J'y tenais. Allez, et ben, écoute, alors, ce que je te propose, c'est que... Voilà, ça va être une vidéo très rapide. Hein. Ouais, on va pas présenter les seigneurs. On s'en occupera, bien entendu, lors des matchs, puisque les matchs, on va les rendre ça. Pour le fun, pour le suspense et pour l'amour de Warhammer, parce qu'on s'aime. Exactement. Donc tenez pas en compte ce qu'il y a dessous, hein, c'est bullshit, hein, les brands contre Akars, c'est bullshit. On va lancer le premier nom. Le premier nom. Tu mises sur qui, toi? Ah bah, pour le premier nom, tire le premier nom et puis je te dirai qui contre qui j'aimerais bien le voir jouer, déjà. D'accord, et le premier sera... Kolek. Allez, et où tu le vois? Parce que moi... Ah oui, on a un peu de... Un petit décalage. Hein, allez, Kolek, alors attendez, parce que moi ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de me mettre en double, alors... comme c'est bien entendu, on fait les choses en étant très professionnel. Oh putain, Martin, j'ai trouvé de baisser le son de Martin, quoi. Pardon. Il m'a cassé les oreilles. Toi, pendant que je note le nom donc, du premier participant, donc le premier match, on verra déjà un des favoris du tournoi avec Kolek. Avec alors Kolek, rappelle-moi, donc c'est K-H-O-L-E-K. Merde, bah, normalement il est écrit sur son tableur Excel. Ouais, c'est bon. Je viens de le supprimer. Donc, tu peux le supprimer, on est bon. Donc on a déjà Kolek qui sera notre premier participant. Ouais. Alors, le petit truc sympa, c'est ce serait qu'on voit un gros match d'entrée avec pourquoi pas un petit Grimgore Kolek d'entrée ou un Krogar ou voilà un gros on attend un match, hein, dès le premier tour on va voir. Bah alors on va voir le deuxième. Allez, le deuxième il est juste en dessous, on le voit ici et ce sera je l'ai pas encore, ce sera Snitch. Gros duel Allez, on commencera par un bon petit match, hein. Ouais, Snitch, alors attendez, parce que Snitch, je crois que j'ai mal orthographié, il n'y a pas de T ici, c'est Snitch, XI. Donc voilà le premier match de notre tournoi solo qui déjà annonce du lourd, hein, mon petit Martin. Donc je vous rappelle, full équipement. Ah, on verra mon petit Jedi, on verra. Parce que Snitch est assassin, non, de mémoire? Ouais, c'est un assassin, ouais. Donc à voir après comment ça va se passer. Allez, deuxième match, mon petit Martin. Alors mets-toi reste sur le tirage au sort. Ouais, 2 secondes, laisse-moi noter les trucs. Parce que bah, si tu notes, ça va être long. Laisse-moi noter, puis je t'enverrai le tableau. Allez, troisième. Alors, c'est parti. Donc le deuxième match. Donc on aura les deux premiers matchs dans la première semaine. On a Lokir, cœur de pierre. Allez, Lokir. Donc Lokir qui sera le participant du deuxième match. Et qui jouera contre... Lokir contre... Attention. Ah, ça peut être intéressant. Je sais pas encore pour l'instant... Ungrim. Ah, il y a un match assez indécis, hein, Loki et Ungrim. Ouais, ça peut être aussi assez intéressant. Ungrim qui est anti-large. Hein. Oui, il est anti-large. Il a un attribut anti-large. J'aurais bien aimé voir un Kolek Ungrim aussi au premier tour. Bon, je pense que Kolek aurait gagné, même si l'Ungrim est anti-large. Allez, troisième match. Attends, faut juste que je supprime. C'était qui le premier qu'on a sorti? C'était Loki. Attends, faut que je supprime. Il est fait pour les persos par les larges. Ah, bah, c'est le jeu, hein, mon TJ d'ailleurs. Après, on verra bien ce que ça donne. Hein. Item légendaire de Snitch, je le connais pas, en vrai.
Donc est-ce que le thème légendaire de Snitch permettra à Snitch de rivaliser contre Collec? Moi je pense pas, mais bon. Alors, hop, c'est parti pour le troisième match. Allez, troisième match. On aura dit Malekith. On a du Malekith. Malekith, alors à la base, pour la petite information, la petite histoire, on devait faire un deuxième tournoi à la base, avec certains corps à corps et certains hybrides qu'on voulait pas mettre dans le tournoi principal. Et on voulait faire un tournoi de qualification pour le tournoi final, et Malekith n'était pas dans le tournoi de base, hein, parce que c'était un hybride, hein, Malekith, du coup. Magicien, donc Malekith, n'oubliez pas qu'il aura le droit à ses sorts. Donc le droit à ses sorts, il a le, ses équipements légendaires également, hein, comme tout le monde, mais les sorts de Malekith qui peuvent aussi lui permettre de, pourquoi pas, rivaliser avec des corps à corps purs, bien sûr. Avec, on verra pas l'utilité, hein, il aura accès à tous ses sorts, hein, Malekith. Hein. Et l'adversaire de Malekith sera... Et l'adversaire de Malekith sera... Ouh, Taurox. Genre... Taurox. Alors là, par contre, effectivement, ça laisse du gros match aussi, là. Bon, même si Taurox par favori, je pense, hein, largement. On sait jamais Malekith accès à la magie. Bon, après, face à un Taurox, Taurox n'a pas de magie, hein. Donc... Il a deux grosses haches runiques. Je pense que ça fait beaucoup d'effet. Mais à voir, et je pense qu'on aura des surprises dans ce match. Prochain match. Allez, quatrième match. Ah, Eltarion. Eltarion. Eltarion hybride aussi, hein, accès à... Il est anti-large aussi, Eltarion, non? Peut-être. Je t'avoue que je m'en rappelle plus. Eltarion contre... Allez, Eltarion contre... Ça va être intéressant, ça. Contre Vladimir. Ah oui, ça va être un beau match aussi, ça. Eltarion, Vladimir. Ouais. Je sais pas lequel j'aimerais gagner. Hein, mais... Deux hybrides avec leurs items légendaires, ça... Moi, je donne un petit avantage à Vladimir, je pense. Mais après, je vous avoue que je maîtrise pas totalement. Mais effectivement, il y a de la régène, il y a 2-3 trucs cool. Ouais. Là, ça annonce déjà des matchs assez indécis. C'est sympa parce qu'il y a des matchs équilibrés quand même. Hein. Alors, Malekith Taurox, je sais pas si c'est réellement équilibré, mais en tout cas, les premiers sont assez plaisants à voir. Allez, le cinquième match. Marcus. Allez, Marcus Wulfhard, donc à premier distance. Anti-large aussi, du coup. Ouais. Donc pour l'instant, il n'affrontera ni Taurox ni Collec. Ah, ça va être intéressant de le voir. Marcus, attends, faut que je l'enlève. Ah, mais je viens de le faire, c'est bon, je l'ai déjà enlevé. Marcus et son adversaire sera. Ah! Ça va être Grombrindal. Ça va être intéressant. Qui va rattraper l'autre avant que l'autre le tue? Ah oui, Grombrindal. Alors, Grombrindal, accès à ses runes de base aussi. Hein. Donc, attention aussi, hein, les nains ont accès à leurs runes. Ça pourrait être assez intéressant aussi. Ça alors, la question, c'est est-ce que Grombrindal va réussir à aller au cac ou bien est-ce qu'il va se faire kiter? Ah oui, ça c'est la question, on verra. Est-ce que Marcus kitera Grombrindal, mais un bon duel aussi, assez intéressant, assez indécis. Okay. Même si mais ça peut être assez intéressant. Allez, match suivant. Match suivant. Marcus est bien joué. Alors c'est pas nous qui jouons au duel. Un très bon seigneur. Alors, je l'ai pas pour l'instant, j'ai pas le nom du seigneur. Ah, c'est Wulfric. Wulfric. Allez, Wulfric, représentant de la Norska. Allez. Wulfric. Contre qui? Et son adversaire. Arrivons à quelque chose à dépenser. Ça va être sympa aussi. Wulfric Manfred. Ah oui, ça va être un beau match aussi. Alors, Manfred avec ses items. Manfred quand même, ça envoie du lourd. Hein. Après, Wulfric, ouais. Wulfric aussi a accès à certains sorts. Alors, pas des sorts de magie, mais tu sais, ces sorts de bateau. Bon, en 1v1, c'est pas le sort qui va faire gagner, mais bon. A voir, Manfred, ça dépend aussi, mais Manfred aura accès à son domaine de magie, aura accès à sa régénération, moi je donne un petit... Je pense que ça... Après, je sais pas. Après, Wulfric au cac, il fout des bonnes baffes, hein. C'est un excellent seigneur. Hein. Ouais. Bon, match suivant. Allez, match suivant. Ah, bah voilà le favori qui pop maintenant. Grimgor, aïe, contre qui Grimgor va tomber? Est-ce que ça va être un carnage ou pas? Franchement, je prie pour un joli match-up, là. Allez, un joli match dès le premier tour, hein, pour Grimgor. Ça risque d'être compliqué. Ça risque d'être compliqué. Taurox et Collec, qui sont les autres favoris, sont déjà tombés. Un Tyrion, ça pourrait être intéressant. Tyrion avec son épée légendaire. Ouais, ça pourrait, ouais. Ça pourrait. Et lancer le tirage au sort. Ouf. Ouais, bah je crois que c'est joué d'avance, ça. Kalida. Ah, Kalida. Ouais, attaque empoisonnée. Mais je pense qu'effectivement, elle va pas. Je sais pas. Elle ne tiendra pas face à Grimgor. Je pense que ça risque d'être compliqué pour Kalida. Je sais pas si c'est une de Ulysse, Kalida. Je m'en rappelle plus. Dommage, Kalida, je pense qu'elle avait vraiment. Elle a des très bonnes stats, Kalida. Elle a des très très bonnes stats. Clairement. Donc, on verra bien. Allez. Avant-dernier match. Hop. Et après, on se refera le. Mince, hop. Je voulais remontrer ça.
Donc Durtu aussi qui, je pense, fait office de favori. Attends, mais il nous reste encore beaucoup de matchs en fait. J'ai n'importe quoi. Ah ouais, il nous reste énormément de matchs en fait. Durtu. Ah, Durtu, ça aurait été intéressant aussi de le voir. Durtu qui aura accès à sa magie aussi, donc assez intéressant. Durtu, exactement. Tracenir intéressant, je pense. Allez, Durtu. Contre. Ah, t'es pénible hein, à récopier les noms. Oh bah, je t'emmerde. Durtu contre, t'as qu'à meubler, c'est ton job. Ah, il a tiré le blanc. Ah non, mais il met toujours un espace blanc au-dessus en fait. C'est pas ah, ça. Bah faut que tu enlèves l'espace, ouais. Enlève l'espace. Ah, mais c'est non, mais j'ai pas l'espace, mais il le fait automatiquement. Ah, ok. Oh, Durtu contre Bélégar. Contre Bélégar. Contre Bélégar, ouais. Mais on avait... C'était Gambrindal qu'on a eu. Contre Bélégar, Bélégar, c'est un peu le plus offensif des nains aussi, pareil, non? Non, 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 Bélégar, c'est de la défense, tu rigoles. Mais Bélégar a la résistance magique en étant nain, Durtu, donc aura un peu moins de... un peu plus de résistance que d'autres adversaires. Enfin, Bélégar aura de plus en plus de, plus de résistance que les autres adversaires. Ça peut être aussi un beau match-up, hein, ça. Ça peut être un beau match-up, assez indécis. Alors, donc, match suivant. Sigvald. Allez, Sigvald, aussi un très très bon corps à corps. Il faut avoir un duel chaotique. Ah, putain. Sigvald, c'est pas avec un V, t'as mis un W? Je sais rien, c'est possible. Il me semble qu'on a fait des fautes. Hein. Si on a fait des fautes dans les pseudos des seniors, embêtez pas. Et Sigvald sera contre... Oh, alors ça, ça va être un super match-up. Contre Tyrion, ah oui, ça va être un bon match-up. Ça va être un beau match. Ça va être un super match. Ah ouais, ça va être un super match. Deux gros corps à corps à distance, là. Corps à corps avec deux gros stats, avec des gros stats, des beaux items légendaires aussi. Oui. Ça va être intéressant. Tout à fait, tout à fait. Ensuite. Quick. Quick. Pareil, un favori, Quick. Ah ouais? Bah Quick, un V1 pareil, hein, ça casse du... Oh, il est pas mauvais, hein. Contre Volkmar, ça va être un match intéressant. Alors Volkmar, il est quand même défensif aussi, hein, pareil, hein, il a quand même peut-être de quoi tenir contre un Quick, après, je sais pas, au fond... On verra. Avec c'est quoi, c'est pas des runes, c'est des prières. C'est les prières de Volkmar, ouais, bon... Match suivant. Allez, match suivant. Trot. Merde, attends, si je les enlève pas, ça va pas aller. Trot le galeux, donc pareil, hein. Large, hein. Et large et anti-large, du coup Non, il est pas large, Trot. T'es sûr qu'il est pas large? Enfin, ouais, petit, plus gros qu'un cheval, un Skaven, c'est pas large. Ouais. Volkmar, sans sa monture, c'est pas tanky. Ouais, mais bon, après, il y a accès à ses prières aussi, Jedi. Hein, à prendre en compte aussi. Et son adversaire sera... Ah, bah... Anti-large contre large, Trog. Trog. Ah, Trog aussi favori. Hein. Trog qui est dans les gros... Ah, ça peut être assez intéressant, hein, Trog contre Trog. Hein. Trot ouais, contre Trog. Moi, je donne pas cher d'autres potes, mais bon. Tu penses? Même avec son attribut anti-large? C'est plutôt un booster, Trot. Hein. C'est pas un cap pur. À voir, avec son item. Il va bien zémader contre des monstres de la cavalerie, certes, mais contre un autre seigneur gros comme celui-là qui met des baffes, comme Trog, ça va risquer. Alors, prochain match. Allez, prochain match, 23ème match. Elebron. Elebron. Allez. Elebron. Son adversaire sera... Malus, ah, deux excellents seigneurs, ouais. Un combat vraiment effrayant. Ouais, pur 100% elfe noir, effectivement, ça va réduire. Il y a eu beaucoup de participants. Trog a eu sa régénération, je l'ai vu démonter Torog, donc ça devrait aller. Possible. Faudra miser, hein, tu pourras miser Jedi, hein, sur les tournois solo, c'est le but du jeu aussi, hein, le tank à points, je vous rappelle. Et moi, comme j'ai dit, moi, je pense qu'on aura des surprises. Il y a 8 participants pour l'instant pour les tanks à points, j'en attendrai au moins 10 pour lancer le challenge, on a jusqu'au 15 septembre pour les avoir, on est le 23 août. Ça laissera quand même de quoi arriver à trouver 2 participants supplémentaires. Vous pourrez miser sur chaque match, me donner votre quatuor de tête, vous aurez des récompenses à la fin. L'inscription est totalement gratuite, bien sûr. Vous avez juste à me donner votre pseudo, je vous rappelle, en commentaire d'une des vidéos YouTube traitant du tournoi des factions ou sur le Discord de la chaîne. Tu veux pas lancer le tournoi à partir du 20? Parce que week-end du 15. Oui, c'est vrai. Là, en tête du 20, on verra, ouais. Donc, match suivant, donc. Allez, match suivant. Karl Franz, Carlito. Allez, Carlito, est-ce que Carlito passera le premier tour, notre Carlito? Je sais pas, son adversaire. Ça dépend son adversaire. Ah, Rakart. Ouais, ça peut être aussi un match assez intéressant. Oui, ça peut. Je pense que c'est un match assez équilibré aussi. Ouais, Karl Franz contre Rakart, ça peut donner l'un ou l'autre, je sais pas, hein, je connais pas les match-up. Totalement. Allez, suivant. Attends, merde, faut que je l'ai. Attends, j'ai pas supprimé, attends, excuse-moi. Il nous reste 3 matchs. Okay. 3 matchs et après on fera un récapitulatif des matchs à venir. Ouais, le Kyr, il est sorti, hein. Lokir, oui, il est sorti, Lokir. J'ai oublié de le supprimer. Elebron, elle est sortie. Oui. Hop, Krogarna, Karen, ça c'est Karl Franz. Ok, là c'est le premier match que je trouve vraiment équilibré, Jedi. Ah oui, tu vois. Volkmar, il est sorti. Je pense que je vais le faire, mais j'ai pas beaucoup de temps en ce moment. Alors, Cetra.
Ça sera le 20 septembre, Crazy. Et ça prend pas beaucoup de temps, en vrai, hein, le tournoi. Hein. T'as juste à me donner ton quatuor de tête, donc ça va prendre une minute. Dès que t'auras vu le tournoi, tu vas dire, bon, bah, je pense que ça va être en fonction de l'arbre qu'on va tirer. Bah, ça va être telle personne qui va gagner, telle personne en deuxième, telle personne en troisième, telle personne en quatrième. Bon, il y a une vidéo dédiée pour ça, en train de faire tirer. Cetra, allez, Cetra, mon petit chouchou. Il va se faire défoncer, Cetra. Cetra qui, d'ailleurs, est en mode... Cetra qui se fera défoncer par... Non, Cetra qui, comme c'est mon petit chouchou, il aura, lui, uniquement le droit à sa monture. Hein. Ce sera le seul qui... Cetra qui se fera démonter par... Alors, c'était une Ranessa qui est anti-large. Parfait, il peut avoir sa monture, il n'y a pas de problème. Ah, et ça va être un beau match aussi, Cetra Ranessa, en vrai. Hein. Ah, je pense. Et deux sont anti-large, mine de rien. Ouais, je pense que ça pourrait être... Allez, il reste deux matchs. Juste pour le plaisir, bah avec plaisir. Et n'empêche, n'empêche que quand on regarde, il y a quand même du lourd hein, dans ce qui reste. Il reste que des hommes lézards en fait, à part Arcane. Ah oui, c'est vrai qu'on a eu aucun homme lézard là. Il reste que des hommes lézards. Allez, ça va être deux duels fracticides. Ouais. Fracticides, allez, vas-y. Krokgar. Donc Krokgar. Ah, je vais. Allez, franchement, s'il y a un Arcaon, ça va être un putain de duel. Hein. Allez, ah, Krokgar Arcaon, ouais, ça va être deux. Krokgar Gorok. Krokgar Gorok, et ouais, ça, c'est intéressant ça aussi. Hein. Krokgar Gorok. Bah, du coup, les deux derniers, Nakai contre Arcaon. Et Nakai, oh putain, ça fait deux. Ça fait du gros match aussi, hein, ça. Hein. Ouais, c'est du gros match, ça, ouais. Là, y a du lourd. Ouais. Alors, Nakai, Arcaon. Parfait, merci pour le tirage au sort. Donc, je vais vous remettre les matchs. Parce que c'est assez important pour le tableau aussi, pour que, comme je vous l'ai dit, pour le jeu, pour que vous puissiez donner votre quatuor de tête, et ben là, au moins, vous allez voir où se situe, dans quelle partie du tableau se situera, donc. Ben, les équipes, hein, pour que vous puissiez donner votre demi-finaliste. Et après, donc, on a mis la finale des gagnants, mais il y aura aussi une finale des perdants qui sera rajoutée, qu'on n'a pas mis ici. Donc, je vous rappelle les matchs pour finir sur cette vidéo tirage au sort du tournoi solo. Avant de passer sur celle du tournoi trio, on fera une deuxième vidéo YouTube pour ça. Donc, je vous rappelle, donc, Collect contre Snitch, ça commence avec du lourd. Hein, deux gros corps à corps qui s'affrontent dès le premier match. Ensuite, Lokir, Ungrim aussi, un match assez indécis. Ensuite, Malekith, Torox. Pareil, à voir si Malekith avec ses items légendaires arrivera et sa magie arrivera à résister face à Torox, ça paraît compliqué, mais pourquoi pas. Eltarion, bon, Vladimir. Mon Malekith avec un Seigneur Minotaur lambda de base, je l'ai ouvert en deux. Bon. Ouais, bon, après, à voir. Après, il y a eu bien que c'est pas nous qui contrôlons. Hein. Eltarion, Vladimir. Eltarion, Vladimir, ça pourrait être aussi assez intéressant. Marcus Grombrindal pour le match suivant. Je pareil. Pense que ça va être le match le plus chiant du premier tour. Non, mais après, de toute façon, les matchs auront lieu deux par deux, rappelez-vous. Donc, il aura lieu en même temps que le match Ulfric Manfred. Et Ulfric Manfred, en vrai, ça peut aussi envoyer du lourd. Hein. On sait pas trop encore ce que ça a donné. Après, Grimgore, le favori numéro 1, qui rencontre donc Kalida, que j'aurais bien aimé voir un peu plus longtemps. Ouais, pauvre Kalida, qui a des très bonnes stats, regardez-les. Hein. Attaque empoisonnée aussi, ça débuff. Bon, je suis pas sûr que ça suffise pour combattre Grimgore, mais bon. À voir. Durtuber Belégar, donc ça aussi assez intéressant, à voir si la résistance magique de Belégar pourra résister. Durtuber fout des patates de malade. Oui, il met des grosses patates. Mais bon, après, à voir, hein, on sait pas. Sigvald Tyrion, donc gros match-up aussi. Ça, c'est le match le plus intéressant du jeu. Ouais, ça pourrait être assez intéressant à voir. Quick, donc Volkmar, là pareil, c'est intéressant à voir, même si pour moi, personnellement, Quick est favori, mais bon, je connais pas la puissance réellement des prières de Volkmar, est-ce que ça peut servir à inverser la tendance et puis les items légendaires, hein, ça peut aussi jouer. Trot contre Trog, ça aussi c'est un match que j'ai envie de voir, un anti-large contre un favori. Oh mais Trog, qui est large. Trot, il est quand même assez, enfin il est pas fragile, mais c'est pas le plus solide du monde, quoi. Ouais, après voir, à voir. Après Elbron contre Malus, ça aussi, ça va être un match assez intéressant. Malus, à voir s'il active sa transformation. Hein. Malus transformé, ça peut aussi être la surprise du tournoi. Hein. Malus, je sais pas comment ça se passera au niveau des transformations, mais bien utilisé. En tout cas, l'IA, elle la pète, sa transformation. Hein, hello, Bébou. Ouais, ça annonce du lourd hein, aussi pour Malus. Hein. Ouais. Moi, Malus, ça va être le gros point d'interrogation du tournoi. Qu'est-ce qu'il va réussir à faire? Ensuite, Karl Franks contre Rakart. Donc là, c'est le match le plus équilibré aussi, effectivement, qu'on a. Assez intéressant aussi comme match-up. J'ai hâte de voir aussi le résultat. Mm-hmm. Cetra Ranessa aussi, je pense que ça s'équilibre. Je donne un petit avantage à Cetra quand même, de par la magie. Krokgar Gorok, là aussi, ça va être un très très beau match. On va pas s'embêter. Hein. Et Nakai Arcaon, pareil, Nakai Arcaon, ça annonce du lourd. Ouais, je pense aussi. Donc, en réalité, il y a du lourd pour déjà le premier tour. Et puis, plus on va se rapprocher dans le tournoi, plus les matchs vont être passionnants à regarder. Donc, déjà, une belle chose de faite voilà, pour ce tournoi. Donc, oui,
Je vous remonte le tableau encore une fois. N'hésitez pas vers une screen pour ceux qui doivent me donner leur quatuor de tête. Là, vous avez les... Pensez donc au deuxième match. Essayez d'analyser un petit peu tout. Et puis voilà. Donc n'hésitez pas à le faire avant le premier match qui effectivement sera aux alentours du 20 septembre. Ça vous laisse un bon mois. Hein. Un bon mois pour me donner votre quatuor de tête. Et analyser le tableau. Donc voilà pour ce tirage au sort du tournoi solo. Donc on sortira la deuxième vidéo par la suite pour le tournoi trio. J'ai pas envie de faire les deux tirages au sort dans la même vidéo, ça risque d'être un peu trop long. Donc merci à tous pour YouTube d'avoir suivi ce tirage au sort. J'espère que les matchs vous plaisent. Dites-moi déjà dans les commentaires si vous voulez le match que vous attendez le plus avec impatience. Et puis voilà, savoir si... Si le concept aussi vous plaît, donc merci encore une fois, et puis à très très bientôt pour le début du tournoi.